I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, bonjour, bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Mon nom est Jonathan Drapeau, a.k.a. Johnny D. Je suis toujours en co-animation avec mon partner, toujours ami d'enfance, Benoît Laferrière, a.k.a. Nostradamus. Comment ça va, mon Ben? Ça va très bien. Les fêtes sont commencées. Yes, les fêtes commencent là à l'instant. Alors, juste avant de commencer notre émission sur la biographie de la lutteuse Liv Morgan. On voudrait vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à tous. Joyeux fêtes, les amis. Yes. Les Wrestle Rockstars. Yes. Alors, rentrons vivement dans le sujet, mon ami. Est-ce que tu veux commencer le bal? Oh, on va commencer ça. Yes, comme on a dit, c'est sur la talentueuse, la merveilleuse Liv Morgan. Alors, pour commencer, Gianna D'Addio, de son vrai nom, est née le 8 juin 1994 à Morristown, dans le New Jersey. Aux États-Unis, bien sûr. Yes, elle fait partie d'une famille de 6 enfants, dont 4 frères et une sœur. Après le décès de son père, sa mère a élevé ses 6 enfants toute seule. Une monoparentale, imagine-toi donc. Yes. D'Addio est une femme de lutte professionnelle depuis sa plus tendre enfance et faisait même du backyard avec ses frères et sœurs. Oui, mais elle n'a pas fait de lutte indie, hein, si je ne m'abuse. Ben, c'était pas marqué dans les recherches qu'on a faites. Non, puis je pense qu'elle a commencé carrément au Performance Center, puis on va aller découvrir ça ensemble, chers amis. Alors, avant de faire carrière, comme tu disais, elle a fait un peu de backyard, mais pour gagner son pain, sa croûte, comme on dit, elle a travaillé comme mannequin barmaid au restaurant américain. Le Hooters. Le Hooters, ouais. T'es allé là quand t'es allé à Philadelphie, ça va? Yes. Petite serveuse, ça va, sont très... Oui, ils sont coquettes. Et puis, ça fait penser à quoi qui ressemble? On pourrait comparer ça, le Hooters, okay, à quoi? On va faire de la pub. Gens de Québec. On va faire de la pub. C'est une espèce de Québec brou des États-Unis, ça, on va. C'est ça, tout à fait. Et puis, au secondaire, en fait, Liv Morgan a été non seulement... un athlète professionnel, mais elle a été dans une équipe de cheerleading, en fait. Ben, secondaire, on va dire au lycée. Oui, c'est ça, au lycée. Là, aux États-Unis, c'est plus ça. Yes. Et puis, en octobre 2014, elle signe son premier contrat avec une promotion professionnelle. Donc, comme on disait juste avant, elle n'a pas lutté ailleurs. Elle n'a pas lutté à ROH ou à CZW. Elle a lutté backyard, mais ce n'est pas reconnu vu que c'est du backyard. Non, c'est ça, exactement. Et puis, elle a signé avec la WWE en 2014. Cette dernière l'envoie dans son académie de lutte, la NXT, bien évidemment, afin qu'elle approfondisse les rudiments du métier. C'est en tant que Marley qu'elle fait ses débuts sur le ring en octobre 2015. Oui, elle a jobé contre Eva Marie, imaginez-vous donc. Oui, puis Eva Marie, on s'entend entre toi et moi, c'était pas... c'est pas elle qui ont mis... c'était une plus-valoir, là, tu sais... Mais elle a commencé, la petite Liv Morgan. Elle n'avait pas encore développé son personnage. Ouais, ben c'est ça, là. Ça, donc, la mettre à l'essai, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Et puis, c'est en fait en 2015, plus précisément le 2 décembre, quand NXT elle a commencé sous le nom de Liv Morgan, qu'elle perd malheureusement contre l'Australienne Emma. Oui, ben Liv Morgan, dans le fond, c'est ça. C'est... Depuis ce temps-là, elle n'a jamais changé de nom. Ça a toujours été Liv Morgan. Yes. Puis pour revenir à Emma, ben c'est Tanil Dashwood là, qu'on voit à Impact yes. Wrestling. Puis qu'on a... Ben, elle est revenue. Hein? Emma est revenue à WWE. Yes. Ouais, puis est-ce que tu savais que Liv, ouais, c'est le diminutif de Olivia? Oh, ça, je l'ai dit. Oui, j'ai su ça récemment. Et puis, c'est le diminutif d'Olivia. Donc, 31 août 2016, ouais. Elle gagne sa première victoire à NXT face à Lia, la genre de petite hindou-arabe de Toronto. Oui, oui, oui. Qui t'a dit bonjour. Oui, oui, qui m'a dit bonjour l'autre jour.
Et puis, le 23 novembre 2016, à NXT, bien évidemment, Morgan, Alaya et Ember Moon gang face à Daya Barinato et The Iconic Duo, Billy Kay et Peyton Rose, qui d'ailleurs, je pense qu'ils se sont fait remercier dans le scandale des congédiements. Ils étaient à Impact Wrestling à bout de temps, les Iconics? Ouais, les deux, ils étaient à Impact Wrestling. Ils avaient été champions de finale. Ils sont encore là, je ne suis pas certain. Ouais, il y a Impact Wrestling qui bientôt va virer TNA. Ouais, d'ailleurs, TNA qui revient prochainement sous nos écrans. D'ailleurs, en parlant de TNA, c'est quoi que j'ai prédit à Joey Legend? Donc, t'en souviens-tu? J'avais prédit un contrat avec Impact Wrestling ou avec la prochaine TNA. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le jour de même, il s'était fait appeler par... Scott DeMore. Yes, c'était fait appeler par Scott DeMore. Donc, on continue de frapper sur le même clou, mais évidemment, Ben a plus d'un arbre dans son sac, comme on dit. Et puis, il a réussi à, encore une fois à démystifier plein de belles choses. On se souviendra aussi de Al Snow. Tu avais prédit aussi un avenir prometteur pour sa fédération de lutte. Et puis, quelques mois plus tard, on annonçait que Netflix aurait une télésérie ouais. sur la OVW. Donc, chapeau, mon ami. Tatanka, j'avais prédit être au Hall of Fame, puis il est en discussion avec Triple H. Oui, exactement. Donc, revenons à nos moutons, d'après moi, d'après moi, là, je dois être comme Biff dans Retour vers le futur 2. Je dois envoler l'affaire des résultats sportifs. Là. Ouais, c'est ça. Okay. On va t'appeler Biff Laferrière. Exactement. Là, on était rendu 21 novembre 2017. Yes, début dans le roster principal du côté de SmackDown, avec comme partenaire Ruby Riott, qui devient Ruby Soho à AEW, yes, et Sarah sir. Logan en tant que heel. Elles attaquent à la fois Becky Lynch et Naomi. Le soir même, elles ont interrompu un match entre la championne féminine de SmackDown, Charlotte Flair, qui d'ailleurs est blessée pendant 9 mois. Oui, il semblerait qu'elle a la même blessure que Seth Rollins a eu au genou. Donc, pas certain qu'elle va pouvoir revenir à 100%, même après toute la réhabilitation. C'est ce que j'ai vu ce matin dans les sites de nouvelles. Chose est sûre, elle va manquer WrestleMania. Puis ça, manquer WrestleMania pour un lutteur, c'est comme... C'est comme manquer le Super Bowl là, pour Tom Brady. Là. Ouais, c'est comme quand tu joues aux échecs et tu perds ta reine, là, mettons, en partant. Non, c'est sûr. OK, revenons à nos moutons. Tu perds ton chien dans un parc. Aussi. SmackDown, Charlotte Flair ouais, et Natalia, puis on recommençait à les attaquer toutes les deux. C'est le début de la Riott Squad, mesdames et messieurs. Oui, la Riott Squad et les trois membres que tu te souviens-tu, toi, mon ami? C'était qui les trois membres de la Riott Squad? Ah, ben comme j'ai dit, Liv Morgan, Ruby, je pensais dire Ruby Soho, mais... Ruby Riott et Sarah Logan. Puis en parlant de ça, il y a une petite anecdote. Oui, vas-y, mon ami, t'aimes ça faire une petite parenthèse. Ouais, ben là, c'est ça. C'est rendu que c'est toi qui es. Parlant du 21 novembre 2017, la date de le début, là. Yes. Davio a un tatouage sur la nuque indiquant 11-21-17, qui est coloré en bleu, rouge et vert. Son tatouage correspond à la Riott Squad. Okay. Et les trois membres ont tous le même tatouage pour commémorer la date de leur début dans le roster principal. Ah ouais, c'est cool. Ben, c'est intéressant. Je ne savais même pas qu'il avait fait ça. Ça fait penser un petit peu au monde là, d'Occupation Double qui s'était fait tatouer la map de Vancouver ou je ne sais pas trop. La map de Vancouver? Ouais. Pourquoi Vancouver? Pourquoi Vancouver? Je ne poserai pas de questions. Vancouver, mais en tout cas, il était dans... Ah, je ne me souviens plus, en tout cas. Ben, c'était une parenthèse qui est un peu failée. Ben non. 28 novembre 2017, elle bat Charlotte Flair, Naomi et Natalya dans un match par équipe à 6 femmes. C'était la première fois qu'elle a remporté... C'est pas là qu'elle a remporté son premier titre, je crois. Non, c'est un petit peu plus tôt. Non. Alors, on va en parler plus tard, alors vas-y mon ami. 28 janvier 2018, Morgan a participé au premier féminin du Royal Rumble féminin. Au premier match Royal Rumble féminin. Ouais, yes. En tant que 11e participante, mais fut éliminée par Michelle McCool. Ouais, j'étais tellement déçu, je pensais que Liv Morgan allait gagner. Je sais pas si tu te souviens, hein. On l'avait regardé ensemble. C'est pas l'année que AJ Styles est venu? Non, c'est en 2016. En 2016, OK, c'est moi qui ai mêlé. Je suis des patates. Ensuite de ça, ben Liv Morgan a fait son premier WrestleMania. Non. Ben oui, c'est ça, son premier WrestleMania. Son premier WrestleMania? Oui, c'est vrai. Oui, le WrestleMania 34 en participant au Women Battle Royal de 20 femmes. Mais malheureusement, elle n'a pas remporté la victoire. Est-ce que tu te souviens qui avait remporté la victoire? C'était Naomi.
Naomi, oui. Oh. Et là, c'était supposé au début être le Fabulous Moolah Battle Royale, mais avec la controverse qui entourait Fabulous Moolah, ils ont décidé de renommer ça le Women's Memorial. Est-ce que tu vas en parler un peu, la fameuse controverse de Fabulous Moolah, ou c'est comme vague dans ton... Ouais, ben c'est pas, c'est pas vraiment le sujet. Là, non, mais... non, mais on en reparlera à un moment donné dans une émission, ça pourrait être intéressant. Avec une invitée, avec une invitée. Ben oui, mais pourquoi pas. On devrait avoir, qu'on n'aimera pas le nom tout de suite. Oui, oui, oui. Donc, par la suite, le 16 avril 2018, la Riot Squad est repêchée à Raw, comme au hockey, bien évidemment, dans le Superstars Shake Up de 2018. OK. 27 janvier 2019, au Royal Rumble, Morgan est la première à être éliminée après 8 secondes, établissant le record du temps le plus court dans le Royal Rumble féminin, mesdames et messieurs. Yes, le 17 février 2019, Liv Morgan et Logan ont participé au Elimination Chamber à 6 équipes, le premier championnat par équipe féminin de la WWE, où elles ont été éliminées par Nia Jax et Tamina. Si je ne m'abuse, c'est... fille de... Jimmy Superfly Snuka. Puis les premières à avoir été championnes, c'était Bayley puis Sasha Banks. Oui, c'est ça. Les deux étaient ensemble, effectivement. Tag Team of the Year en 2019, d'ailleurs. Premier tag team féminin à avoir été Tag Team of the Year. Yes, félicitations. Pour le Pro Wrestling Illustrated. 7 avril 2019, Morgan participe à WrestleMania 35 dans le Battle Royale féminin, mais sans succès. C'est Carmella qui avait gagné. Oui, c'est ça. D'ailleurs, Carmella, là... Un beau petit bébé! Un beau petit bébé tout neuf! Comme Alexa Bliss. Oui, exactement. Félicitations à nos charmantes divas. Yes! Là, on était rendu. Elle s'est associée avec Roussel. 16 avril 2019, excuse-moi. Oh, excuse-moi. Elle a été repêchée par la suite à SmackDown. Elle a changé d'écurie. Elle s'est en allée vers SmackDown, mettant fin à Riot Squad, mais transférée à Raw par la suite en octobre. Fait que j'imagine que, tu sais... Elle est très populaire, la Liv Morgan. Fait que c'est sûr que ça l'aide à vendre des billets. Fait que j'imagine que selon les codes d'écoute ou whatever, ils l'ont transféré pas mal, comme on dit. Exactement. Vas-y, mon ami. Alors, elle s'est associée avec Rusev quand Lana, elle trichait avec Lashley. Puis Morgan a tourné face pendant ce temps-là. Parce que c'est ça, tu te souviens, Lana, elle faisait sa gedoune avec... excusez-moi l'expression, pas sa gedoune, là, d'abord sa... Sa fille qui triche, on va dire, elle a triché Rusev avec Bobby Lashley. Puis yes! C'est ça, ben, là, elle s'est comme associée avec Rusev pour se venger d'eux autres. Si yes! Et puis, par la suite, après sa feud avec Lana, Morgan est rentré dans une rivalité avec son ancienne coéquipière du Riot Squad, Ruby Soho. Ruby Soho, désolé, c'est un automatique. Qui s'est retourné contre elle et son retour. Son retour, c'est ça. Lors de l'épisode de Raw du 2 mars 2020, Morgan a battu Riot avec comme arbitre spécial Sarah Logan. Elimination Chamber en 2020, bien sûr, yes. Février 2020. Mars 2020, excusez-moi. Oui, oui. Morgan a participé à son deuxième Chamber au cours duquel elle a été éliminée par la gagnante éventuelle Shayna Baszler. Ça, c'était l'Elimination Chamber qui ont fait pas devant le monde. C'était en confinement, je me trompe. Je sais pas si le confinement commençait. Ben, c'était comme à veille, je pense. Hein? C'était pas loin de WrestleMania 36, ouais, c'est dans ce point-là. En tout cas, c'était un des derniers shows. S'il y avait du monde, c'est un des derniers shows. C'est avant ça. La pandémie. Lors du pré-show de WrestleMania 36, il s'agit dans le fond du 5 avril 2020, Morgan a battu Natalya. Après, à WrestleMania, Morgan a continué sa feud avec Ruby Riot et l'a vaincu lors de deux Raw consécutifs, soit le 20 et le 27 avril à Raw. Pendant un petit bout de temps, elle a été de nouveau en équipe avec Ruby Riot. Elle a reformé la Riot Squad avec Ruby Riot pendant un moment avant que cette dernière soit libérée le 2 juin 2021. Et puis, en octobre 2021, Morgan a participé au tournoi Queen's Crown où elle a perdu contre Carmella en première ronde, malheureusement. Ouais, le Queen's Crown, c'était l'équivalent du Queen of the Ring. Du Queen of the Ring, oui, ouais, c'est ça. Yes. 2 juillet 2022, à Money in the Bank, Morgan remporte le contrat Money in the Bank, lui accordant un match de championnat féminin à tout moment de son choix pendant un an de temps. Plus tard dans la soirée, après le match de championnat féminin de SmackDown entre Natalya et Ronda Rousey, Morgan a encaissé son contrat sur cette dernière pour remporter le titre, mesdames et messieurs. À Revenge entre Morgan et Rousey a été fixé pour SummerSlam le 30 juillet 2022, où Morgan a conservé son titre de manière controversée.
Il s'agit en fait que Morgan a tapé sur le brassard de Rousey, mais l'arbitre avait complètement les épaules de Rousey. Elle avait compté les épaules, dans le fond, de Rousey au sol, donnant la victoire à Morgan. Après le match, Morgan et l'arbitre ont été attaqués par Ronda Rousey. Là, elle a comme viré elle, Ronda Rousey. Ça n'a pas tant marché, Ronda Rousey Hill. Je trouvais qu'elle marchait pas. Bon, en tout cas, c'est mon opinion. Oui. Alors, 3 septembre 2022, à Clash of the Castle, qui était c'est pas en Angleterre, là, mais au Royaume-Uni. Oui, exact. C'est ça, Clash of the Castle. Elle conserve son titre face à Shayna Baszler. Puis ça, c'est le show que McIntyre il a sorti full face contre Roman Reigns. Ben oui, c'est normal, ils viennent de ce coin-là. Le pays de Galles, c'est ça, je cherche le nom. Le pays de Galles. Et pas les Galles qui étaient sur le bras. Le 10 avril 2023, il y avait Extreme Rules juste avant, le 8 octobre 2022, lors de Extreme Rules, elle passe son titre face à Ronda Rousey. Donc, c'est important, donc Ronda Rousey qui remporte le titre féminin de SmackDown, je pense. Championne de SmackDown. Exact. Vas-y, mon ami. OK, 10 avril 2023, Morgan et Raquel Rodriguez battent les championnes féminines par équipe, Lita et Becky Lynch. Hall of Famer qui est championne féminine avec, présent. On va dire le présent. Becky Lynch, c'est le présent, si on veut. De l'old era versus the past and the present and future dans un tag team féminin, ce qui n'avait jamais été fait. Bah, en tout cas, pour la WWE, non. Les deux meilleurs. Honnêtement, Becky Lynch fait partie du top 5 des meilleures lutteuses de notre génération. Mais de l'ancienne génération, c'est sûr qu'elle aussi fait partie des 5. Donc, ça a été une très belle équipe qui s'est dissous récemment. Par la suite, on est rendu au 19 mai à SmackDown. Elles ont dû abandonner les titres en raison d'une blessure à l'épaule de Liv Morgan, mettant fin à leur premier règne 39 jours seulement. OK. Maintenant, nous sommes rendus le 1er juillet 2023. Yes. Elles reprennent le titre à Money in the Bank face à Baszler et Ronda Rousey pour le perdre de nouveau 16 jours plus tard face à Sonya Deville et la merveilleuse Chelsea Green. Elle est donc bien belle. Yes. Est-ce que tu veux parler des incidents qui s'est passé là, dans la dernière semaine concernant Liv Morgan, mon ami? Petite controverse, ça, c'est, on n'a pas les nouvelles à jour, mais c'est vraiment la dernière... Dernière nouvelle concernant les recherches qu'on a fait, on va dire une nouvelle un peu moins bonne, comme on dit. Ben, le 14 décembre 2023, Dario a été arrêté pour possession de marijuana, pas plus de 20 grammes, et de drogue. Peut-être des cannabinoïdes synthétiques dans le comté de Sumter. Yes. L'adjoint du shérif aurait vu le véhicule franchir les lignes blanches et jaunes, dans le fond, à Montchaling, si on veut. Ouais, c'est ça. Sur l'autoroute du comté. Davio a ensuite été incarcéré dans la prison du comté de Sumter, puis libéré après avoir déposé une caution de 3 000 $. Yes, fait que j'imagine, c'est pas la première fois, puis c'est pas la dernière fois. Regardez-vous autres. Ils ont une ballonne, non? Il y a une ballonne, mais Il y a Tamerlan Sitch aussi, là, qui vient de tuer quelqu'un en état d'ivresse. Pas 20 ans, je crois. On est 18 ans plus eux. Quelques mois, là. Avoir de probation. Exact. RVD, à un moment donné, il était champion ICW puis WWE. Il est collectionnaire, lui, les trophées. Lui. Ah, c'est ça, RVD, c'est de valeur, parce que... Puis moi, tu sais, il commençait à repartir la nouvelle ECW quand RVD était champion, à One Night Stand 2006, quand il a battu Cena, là. Mm-hmm. C'est de valeur, parce que c'est cet incident-là qui a fait peut-être que la ECW... Tout à fait, la WWE... s'attache pas à des gens qui sont controversés. Là, si tu entends parler que la personne, ça met une mauvaise image pour ton entreprise, c'est que c'est logique, ce que tu dis. Ben. Oui, ils avaient donné la strap à Big Show, strap ICW. Big Show, en tant qu'à moi, c'est pas le représentant de la SWE. Non, c'est sûr. Mais c'était quand même bon. C'était un gros Monster Hill, c'était quand même bon. Exact. Mais c'était pas, en tout cas. Alors, c'est ici que se termine notre émission spéciale, la biographie sur la lutteuse Liv Morgan. Ça nous a fait plaisir. On vous souhaite encore une fois un beau temps des fêtes, chers amis. Soyez prudents au volant, là. Oui, c'est appelez important. Appelez le TZ, appelez le nez rouge. On ne sait jamais. Il peut y avoir un barrage dans le coin du dépanneur, là. Exactement.
Alors, on se retrouve en 2024. 2024, ou en tout cas, peut-être un petit peu avant, si on fait une émission bonus. Peut-être que c'est ça, l'émission bonus. Oui, c'est ça. Puis, n'oubliez pas non plus, le 24 décembre prochain, émission sur Steve Lombardi. Steve Lombardi, The Many Faces of Lombardi. On parle avec M. Steve Lombardi de sa carrière, plus de 20 ans dans le monde de la lutte professionnelle. Soyez des nôtres, l'action ne manquera pas. Au revoir.